Tamboshi, pardon. Il est là, ne bouge pas trop. D'ailleurs. Moi, c'est Pagnemen, le sauveur du peuple noir et défenseur de la nature. Dieu cabine. Vous les humains, vous êtes têtus. Vous ne comprenez pas. Ouais, ça là, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de ça là. Il y a aussi beaucoup de trucs, regarde là, là, là. Je vois. Là. Je vous fais tout à là. C'est ce qui pollue la nature. Mais vous oubliez que la nature se retourne toujours contre bon, vous. Toi, tu n'es cabine pas. Non, c'est pas cabine. Tu peux pas dire ça, je vais revenir, j'arrête. Mais j'arrête de sauver ce monde. Je laisse. Au degré où tu es, au degré où il n'y a pas de degré. Laisse. On vous fait comprendre les choses pour que vous changez un peu de mentalité. Dis, je te paralyse, le bot. Ton bot reste fermé pendant 2 mois. Donc, tu aurais aimé que j'aille cabiner dans l'eau. Le but, c'est pas de cabiner dans l'eau, le but, c'est de faire ça dans des endroits appropriés. Parce que là, tu pollues la nature. Vous êtes nombreux comme. Monsieur, non, vous ne parlez pas bien, moi. Vaut mieux que je te paralyse parce que j'ai les pouvoirs mystiques. Tu veux être 2 mois sans faire. Okay, bon, d'accord, pardon. Tu ne veux pas bander pendant 2 mois. Non, c'est bon. Bon, ok, bon, mais... tu t'étais et je parle. Mais si tu es recule quand même un peu. Non, bon, oui. Oh, t'es tu manges quoi? Faut te déparasiter, fais le boc. Je disais, non, je disais. La diarrhée. Je disais. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est un besoin. Moi-même, parfois, oh. Ça m'est arrivé, j'ai tenté de voler vers Gamba en sortant pour les États-Unis. Et tu t'es tombé. Donc, j'ai eu un mal devant terrible. Mais c'est parce que tu as tout m'embrouillé. J'ai dit la nature. Tout ce où j'étais comme des chats à la nature, ça se retourne contre vous. Voilà pourquoi dans le monde, vous voyez les tsunamis, les gens qui disparaissent en forêt. Parce que la forêt, on est des Africains, la forêt est des génies. Moi, je suis mandaté par les génies pour protéger l'environnement. Hein? Oui. Des pouvoirs. Moi, je peux faire même 2 moitiés de chipin. Hein? Voilà, comme ça, je te bouche les fesses. Donc, les déchets comme ça, comme jeter les bouteilles plastiques. Regarde. Le combat était fort. Ça, c'est une bande de rigolos qui sont venus pique-niquer. Je n'ai pas voulu intervenir. J'ai même pédé au point des génies. Ils ont laissé les conneries. Mais ça pollue la nature. Ça, c'est vrai. Cette eau-là, c'est l'eau-là que vous buvez. Là, c'est vrai. Quand mais quand vous polluez, vous faites comment? Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui, vous mourrez vite. Non, sinon, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Non, même tes collègues aussi font ça. Voilà pourquoi les tsunamis à gauche, à droite, c'est pour ça. Donc, il faut arrêter ça. Ça, tu fais ça dans un endroit pour prier, je sais pas, une toilette, moi. Oh, j'ai beaucoup maigri, ma cap là, maintenant, je suis beaucoup maigri. Pas dans une toilette. Oh, non. Mais où je tombe? Faut faire ça dans les toilettes pour prier et puis arrêter ça. Ne jetez pas les chasseurs, les canettes, ça pollue, hein. Non, c'est pas bon pour l'environnement. Et l'environnement, sachez que la nature est là avant l'homme. La nature peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Vous comprenez? Là, donc, ça, c'est à méditer. Vous allez me ramasser vos caca. Vous allez me les ramasser. Et puis vous me ramassez vos pipis. Quoi? Je ramasse les pipis. J'avais les pipis comme un peu aussi. Tu te rappelles où tu as pissé, tu vas vous recueillir. Mais moi, c'est déjà rentré. Bon, ne fais plus ça. Ici, c'est pas une toilette publique. Dites au gouvernement de créer les toilettes publiques. Ne faites plus ça. Vous avez compris? Aïe! Ici. Je vis là-bas, j'ai vu des personnes là-bas, un couple qui a santé s'embrasser. Il faut leur dire que c'est pas un motel. Merci. Vous êtes africain, un africain va venir par ses valeurs culturelles. Plus jamais! Chance que je suis toujours là pour mon peuple.